Eh bien, bon swag, c'est Néo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, nouvel épisode suivi de notre série sur The Division. Alors, j'ai un petit peu avancé dans l'histoire. J'ai surtout des petites choses à débloquer dans la base d'opération. Que je vous propose d'aller voir maintenant. J'ai ramassé assez de ravitaillement pour l'aile technologique et l'aile de sécurité pour pouvoir débloquer certains éléments que voilà, j'avais envie de débloquer en priorité. Et notamment, on va aller le voir directement ici. Tout d'abord dans l'aile de sécurité. Alors, juste avant de faire ça, je vais quand même vous montrer. Entre notre dernière mission que nous avons fait ici, je pense que c'était une mission à voilà, Times Square, je suis allé vers le secteur qui s'appelle Flatiron District et il n'y avait aucune mission qui était disponible ici, aucune mission primaire, hein. C'est comme ça qu'on appelle ça, une mission, enfin en tout cas une mission primaire, comme celle que vous voyez ici, les bleues, les jaunes ou les vertes. Donc du coup, je vous passe un petit peu ce district parce qu'il n'y a pas vraiment grand chose à voir à part des petites missions, des petites rencontres et des petites missions secondaires. Donc on va directement dans un premier temps bien faire les améliorations qu'on veut dans notre base d'opération. Et puis on va aller à la planque qui s'appelle The Last Call. On se dirigera directement vers la mission Académie de Police. Voilà, le petit programme d'aujourd'hui. Alors, première amélioration que j'ai envie de faire. Oui, voilà, c'est ce que je voulais faire. C'est d'améliorer les casernes, puisque ça nous augmente l'XP de manière tout à fait sympa, hein, 10% c'est bien. Voilà, on va améliorer ça. Tout a l'air de fonctionner parfaitement. Merci de votre aide. Ok, tout a l'air de fonctionner correctement. C'est cool, tant mieux. Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'était, on a des nouvelles capacités évidemment qu'on vient de débloquer grâce à cette amélioration, notamment ici la survie collective. Alors, qui nous permet quoi? D'augmenter la résistance aux dégâts et la vitesse de l'utilisateur et des alliés à proximité. Honnêtement, moi je suis resté dans le classique, hein. Je suis resté dans les premiers soins et l'impulsion. Donc voilà. Voilà. Moi je reste pour l'instant à ces deux capacités là. Et donc du coup, ouais, on a débloqué le bonus où on augmente l'XP. Donc voilà, ça c'est cool. Par contre, je me demande juste où sont les casernes du coup. C'était les casernes, hein, je pense qu'on a débloqué. Maintenant, je sais plus. Oui, ce sont les casernes qu'on vient de débloquer. Mais je ne sais pas où elles sont, ces casernes. Elles sont pas là. C'est ici les casernes? Non. Ou c'est peut-être ça? Non, unité. Quoi? Unité cynophile. D'accord, très bien. Ah ouais, c'est là-bas au bout. Je vois le petit truc qui clignote là-bas au bout. Je vais juste prendre des munitions avant d'oublier. Ah non, maximum attends. Bah, c'est très bien. C'est très très bien. Alors, est-ce que c'était ici? Est-ce que ce sont... Ça, c'est le centre d'opération. Ça, j'avais déjà... Ah, vidéo trouvée. Aile de sécurité... Qu'est-ce qu'il y a de rigolo à regarder ici? Oui, ça, on a déjà vu quelques vidéos intéressantes. Si vous voulez, on peut vite en revoir une qu'on n'a peut-être pas encore vue. Vidéo des Rikers, vidéo des civils. Civils poursuivis dans une station de métro à l'abandon. Ça, c'était plutôt rigolo. Les nettoyeurs, on a vu. Je vous propose de regarder la vidéo des Rikers face à la police. Elle est plutôt intéressante. Attends, c'est celle-là? Eh hey merde, j'appelle le central. Central, ici patrouille 2-4, 5-5 en visuel, le véhicule est abandonné, à vous. Merci, terminé. Oh ah merde! Ils ok, bonjour. Laisse tomber, fonce! Central, ici patrouille 2-4, on est. On est dans la merde. Central, ici voiture 2-4, on est. Mon Dieu, recule, 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 recule.
Eh ouais. Personne n'oubliera ici. Eh ouais. Ça fait mal, hein. Ça fait plutôt mal. Ouais, j'aime bien ces petites vidéos, elles sont plutôt sympas à regarder. Alors, je voulais aller regarder. Ah, voilà, ça, ce sont les casernes. C'est fantastique, agent. Cette caserne nous permettra d'avoir plus d'effectifs, prêts à agir plus rapidement. C'est joli, il y a des petits lits et tout, c'est sympa. C'est vraiment cool de voir cette base des opérations qui s'améliore au fur et à mesure de l'histoire. C'est vraiment sympa, c'est bien fait, c'est vraiment bien fait. On va aller améliorer autre chose maintenant. C'est dans l'aile technologique, je pense. Ouais, c'est dans l'aile technologique. J'avais quelque chose à améliorer aussi, que je voulais améliorer en priorité. Et c'est la technologie de la division qu'on va améliorer en premier. Et qu'est-ce que ça nous donne comme récompense? Donc augmente les dégâts et la probabilité de coups critiques. Donc ça c'est déjà cool. Et puis les bonus, matériaux techniques de la division, convertis les matériaux techniques de la division en d'autres matériaux au poste de fabrication. Cool. Pardon. Et le bonus ingénieur pour récupérer les composants électroniques dans l'aile technologique une fois par heure. C'est sympa aussi. Voilà. Alors, évidemment, on a débloqué de nouvelles capacités. Non, c'est pas ça que je voulais faire. On a débloqué de nouvelles compétences aussi. Notamment celle-ci. Alors, c'est quoi? Augmente les dégâts à la probabilité de coup critique. Voilà, c'est ce qu'on venait de voir. Est-ce que... Moi, j'aime bien. Honnêtement, j'aime bien l'impulsion et le fait de pouvoir se soigner. Donc, pour l'instant, je vais encore laisser ces deux-là. Et puis on a encore dans les bonus, voilà les deux bonus qu'on nous avait promis une fois qu'on a fait l'amélioration. Cool, cette unité d'analyse spéciale sera parfaite pour enquêter sur les agents de la première vague et aussi réparer tout votre beau matériel. J'ai hâte de commencer à m'y mettre. Voilà, donc là on peut récupérer un composant électronique par heure. Toujours ça de prix. Et est-ce que j'avais déjà amélioré ça ici aussi? Non. Purification des eaux et tout ça, j'ai pas amélioré. Générateur, chauffage central, tout ça, j'avais pas encore amélioré. J'avais fait ça dans la bêta. Ouais, les communications, j'avais amélioré aussi. Ok. Eh ben, on va se diriger directement vers le secteur qui s'appelle Gramercy. Et donc vers la planque qui s'appelle The Last Call. Alors on va juste faire un voyage rapide vers Madison Stand pour pouvoir y arriver plus facilement. Et après on ira faire donc une mission principale une fois qu'on sera arrivé une fois qu'on sera arrivé à la planque. Voilà, on met déjà le petit traceur. Par contre, on va descendre, on va pas rester ici en haut. Vous entrez dans une zone de sûreté. Bon. Attention, vous quittez la zone de sûreté. Alors, comme vous l'avez pu remarquer, j'ai un petit peu augmenté mes armes. J'ai acheté l'une ou l'autre arme de type mauve. Je pense qu'elle. Attends, comment on appelle ça encore? Voilà, de qualité supérieure. Voilà. C'est cool. c'est cool. Moi, je trouve aussi que c'est très cool. Voilà. Donc, on va un petit peu se balader avant d'arriver là-bas, bien sûr. Est-ce qu'on ferait une mission, une petite rencontre juste avant? Ou alors. Attention, présence hostile détectée. Ouais, on va vite faire une petite mission avant d'arriver, vu qu'on est quand même dessus. On est où là, en fait? On est dans le métro ou comment ça se passe? Ok, bonjour monsieur. C'était pas très gentil, hein. C'était pas très Charlie tout ça. Wow, wow, wow. Aïe, aïe, ça fait mal. Ah, ça fait mal ça quand même dans la tête, hein. Allez, encore un. Lève ta tête, lève ta tête. Alouette. Non, bah non, il veut pas. Bon.
C'est quoi, je vais aller le chercher, ce sera plus simple. Non mais quand j'arrive il se barre, ok, et on revient ici. Ok, je ne sais définitivement pas viser. Attention, présence hostile détectée. Ouais, c'est ça, cache-toi. Allez, cache-toi. Vous ne m'échapperez pas. Alors, fouiller la zone pour trouver la clé. Ouais, je la vois déjà. Voilà, ça c'est fait. Et maintenant, on va libérer les otages qui sont un peu plus haut. Oh, on a drop des trucs sympas ici. Je vais d'abord prendre ça. Un masque anti-menace. Ok, très bien. Voilà, messieurs, vous pouvez sortir. Ils ont été mis en sécurité. Bon, vous sortez. Bon, tu sors ou je te sors. Il va falloir prendre une décision ici, hein. Non, mais il se fout de ma gueule, celui-là. Ok, parce qu'il y a souvent des petites choses à ramasser ici. Mais non, du coup, pas cette fois-ci. Ok, on continue notre route vers la planque, très bien. Bon, vu que je passais à côté, hein, je me suis dit, pourquoi pas. Oh, il y a des méchants. Oui, il y a des méchants. Alors, le civil qui vient se mettre juste devant les méchants. Par contre, l'arme, elle perd en précision. Au plus, on tire. Enfin, cela dit, elle fait quand même très très mal. Laisse tomber. Hey, quoi là? Qu'est-ce que tu fais? Alors, secteur inexploré, on y va. On y va. La tension est maximale. Allez, c'est parti. C'est la première fois que je passe par ici, hein. Je ne suis jamais passé par cet endroit. Je passe d'ailleurs par un joli parc. Enfin, joli. Alerte, communication radio PTF interceptée. Qu'est-ce qui se passe encore ici? Je répète, nous essuyons des tirs d'armes légères, des pillards nous ont repérés. Si quelqu'un de la PTF entend ce message, répondez. Allez, viens, les. Vous avez peur, hein? Hop, allez, hop, hop. C'est pas très efficace, hein, le corps à corps dans ce jeu. Bien tiré. Sans vous, on serait tous morts. Ok. J'espère qu'ils réfléchiront à deux fois avant d'attaquer une patrouille. Ah, je vais protéger. Oh là 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 là. Attention, force hostile. Bon, je suis désolé, ça va prendre un peu plus de temps que prévu, du coup. Bon, par contre les potes, ce serait bien de pas passer devant moi quand je tire. Ah non, oh non, mais t'es sérieux, il s'abaisse juste au moment où je tire. Attention, force hostile en approche. Ils ont une dent contre nous. Non, tu m'étonnes. Super. Il y a un sniper à droite. Ouais, moi je sais tirer aussi, hein. Enfin, normalement. Non mais te mets pas devant. Mais quel couillu. Non mais le mec il se balade à découvert comme ça. Et puis il s'étonne qu'il se prend des balles. Attention, ils ont une barre contre nous. Ah, il est où le snipe? Fais-moi le malin, hein. Allez, bisous. Zone sécurisée, ennemi neutralisé. Bon, j'étais pas censé porter soutien à la JTF, mais bon, vu que c'est fait maintenant, tant mieux. J'aurais juste récupéré ce qui est tombé par terre. Ça fait quand même des sous-sous. Pour les revendre après. Ok, bon, on continue notre chemin vers la planque. Je suis désolé, encore une fois, ça prend un peu plus de temps que prévu. C'était pas prévu au programme. Après, je vais vous dire, très honnêtement, c'est pas moi qui choisis quand les adversaires me tombent dessus.
Aujourd'hui, tu crèves. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il... Pourquoi il tape? Mais il est mort. Arrête de taper. Arrête. 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 Mais arrête. Mais non. Non. Voilà. Largage humanitaire. Non, je veux juste aller à la planque. Il y a un... Ok, d'accord. Il y a un drone là-bas. J'irai le chercher plus tard. Pas pour l'instant. Emplacement marqué à proximité. Non, je ne veux... Je ne veux pas... Oh là là là. On va faire je sais pas combien de petites missions avant de... Ici, Sparrow 5. Avant de, d'arriver à la planque. Le problème c'est que la planque est, est assez loin. Non mais, mais dégage! Je vous avoue là, clairement je vais pas faire dans la dentelle. Hostile en approche. Aïe. J'adore les snipers avec leur cap, on dirait vraiment des super-héros. Attention, force hostile en approche. Ah, oups. Ah, il y a un gros méchant qui arrive, très bien. Aïe, non, j'ai loupé. Voilà. Mais non, mais... Ah, le mec, il passe devant comme ça, t'sais, en mode... One again beast to fly. Ok. Bon, c'est bon. Ah, oh, on a encore une minute vingt à attendre. Mais c'est sérieux. Ah. Bonjour, monsieur. On fait un petit dodo. Eh ben, monsieur, il fait un petit dodo. Alors, c'est qu'est-ce que je peux récupérer ici? Ok, plus un soda, très bien. Tu viens au contact, ouais, j'ai vu. Allez, 40 secondes encore à tenir. On n'est pas trop mal là, hein. On est plutôt pas mal. Encore une fois, je suis désolé. On perd un petit peu de temps, c'était pas censé se passer comme ça. Oh, les bougies. Oh, c'est joli. Sûrement quelqu'un qui est mouru ici. Ah, voilà, pas de respect pour les morts. Attention, force. Il y a des gens qui arrivent. Non, pas de menace trouvée. On a besoin de vous. N'oubliez pas. Vous avez besoin de moi? Non, du coup. Ah, bah ils sont là-bas. Non, ouais, putain. Je ne sais définitivement plus viser. Confirmé. La sensibilité est bizarre en visée, c'est... Je sais pas comment expliquer. Bon, ok, tu sais quoi? Voilà, ça va être plus efficace comme ça. Je vais t'exploser la tronche. Voilà. Ennemi neutralisé. C'est tout, il n'y a rien à prendre. Ok, c'est bon. On peut continuer, messieurs, dames. C'est parti. Finalement, on va arriver à la planque et on aura tout fait. Non, je ne veux pas d'autres missions. J'en ai déjà fait assez comme ça, là.
Elle ouvre la planque. Merde, j'allais par ici. Ah le pauvre chien. Ah non. Ah non le pauvre chien. Ah merde. Ah bah du coup ça a attiré les villes quenouilles. Ok. Bon, direction la planque. Vite 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 vite. Ok, c'est par ici, très bien. Bonjour monsieur, je voudrais rentrer s'il vous plaît. Merci bien. La meilleure marchandise, c'est par ici. Ah ouais. Ah ouais, on arrive dans le bar. Très bien. Très bien, moi je pense que j'ai trouvé ma planque. Je vais prendre quelques provisions. Alors, que nous dit la map ? Voilà, on vient de mettre à jour toutes les rencontres, c'est bien. Alors, quelle est la situation, madame ? Ça fait plaisir de voir que vous êtes dans le quartier. On a pas mal de problèmes à gérer. Ouais, j'aime bien le quartier, il est cool. On devrait pouvoir régler tout ça rapidement. D'accord, pas très très loquace toi. Hein. Ok, bon, du coup, on va pas perdre beaucoup de temps ici. Hein. On va aller directement à notre mission. Qui est la mission de l'Académie de police. On a reçu le signal du transpondeur d'un agent de la première vague. Il semble venir du bâtiment principal de l'Académie de police. Chaque fois qu'on détecte un signal Shade, on doit vérifier d'où il provient. Et si l'agent qui l'a envoyé est encore en vie, c'est un sacré bonus. Bien entendu, l'agent est peut-être déjà mort. Mais si vous découvrez pourquoi ce matériel de la première vague est là-bas et ce qui est arrivé à l'agent, ça nous aidera à analyser la situation. Ok, madame. Non. Voilà. Oh, j'ai appuyé sur les mauvaises touches. En fait, j'ai pas bien mis ma main sur le clavier. Du coup, j'ai appuyé sur une touche sur laquelle je voulais pas appuyer. Donc, il y a un monsieur qui a émis un signal. En fait, j'ai pas tout compris. Je connais pas ce type de signal. C'est une balle. Je vais juste le relancer parce que je me souviens pas. J'ai pas bien entendu. On a reçu le signal du transpondeur d'un agent de la première vague. D'accord. Il semble venir du bâtiment principal de l'Académie de police. D'accord. Chaque fois qu'on détecte un signal Shade, on doit vérifier d'où il provient. Et d'accord. Si l'agent qui l'a envoyé est encore en vie, c'est un sacré bonus. D'accord. Bien entendu, l'agent est peut-être déjà mort. Mais si vous découvrez pourquoi ce matériel de la première vague est là-bas et ce qui est arrivé à l'agent, ça nous aidera à analyser la situation. Vous aurez tout. Alors, regardez-moi ce campeur. Allez, bisous. Allez, ça va faire mal. Voilà, ça... j'aurais dû m'en douter. Ouais, par contre, je suis obligé de faire le tour pour y aller, d'accord. Donc, il y a un agent là-bas qui a émis quelque chose, il faut aller le retrouver. On espère qu'il soit encore en vie. Ok, donc on rentre dans l'Académie de police, très bien. Voilà. Oh, il y a des gros chiens. Oh, t'inquiète, je fais que passer, mon loulou. C'est un peu glauque hein, l'Académie de police quand même. On reçoit un signal provenant de l'intérieur de l'Académie. C'est le shade d'un agent de la première vague. Et ça continue d'émettre. Ok. Donc, on va tout d'abord localiser le signal. Très bien. Des munitions, non, j'en ai assez, c'est bon. Ce qu'il y a à récupérer ici. Ok, rien de super intéressant. Très bien. Où est-ce que je dois aller? Ah oui, ah oui, oh d'accord, il est là, très bien. Ok, c'est ce machin là. Ah, c'est l'espèce de montre, d'accord. Attention, élément hostile en approche. Mais ceux-là, ils arrivent toujours au bon moment. Hein. Bonjour. Oh, vite, vite, vite. Non, c'est là que je veux.
Ok, ça vise pas très très bien quand même comme arme. Ah putain, pourquoi je prends toujours le pistolet? C'est ça que je veux prendre. Ah, monsieur ne veut pas prendre ses balles. Bon, ok. Toi par contre, je vais te rush mon gars. Des soldats du LMB? C'est plus que louche. Faites votre possible pour retrouver l'agent disparu, mais soyez sur vos gardes. C'est un piège, il n'y a aucun doute. Pas quelque chose à ouvrir ici? Nope. Y a rien à ouvrir, très bien. Je vais fouiller l'académie de police. Ah bah tiens, c'est du propre tout ça. Par où on sort? Allô, c'est tout noir. Ok. Ok. D'accord, il y a des gens là-bas. Ok. Donc il y a des gens par là. Ok. Ah voilà, voilà, voilà. Un coup de qui dépasse. Et moi je fais le reste. J'adore les discussions. Oh merde. Alors vous allez me dire, il faudrait que je vise mieux la tête. Le problème c'est que c'est pas évident parce que la sensibilité est un peu bizarre qu'on vise. Ok, y a rien ici par contre. On va avancer un petit peu. Est-ce qu'il y a quelque chose là? Est-ce qu'il pourrait y avoir quelque chose d'intéressant caché dans ces... Non, un petit sac, mais à mon avis, il n'y aura rien dedans. Voilà, il n'y a rien d'intéressant. Ça, par contre, ça, c'est intéressant. Ouais. Ça, c'est intéressant. Ok, on va monter. On va monter en haut. Aïe. Ah ça, ça c'était dans la tête. Ça aussi. Ok, il n'y a plus personne. C'est joli quand même hein. C'est joli comme, bâtiment. Et je pense que c'était c'était Noël ici hein, vu les guirlandes qui traînent. Très bien. Ok, on continue. Ok, je pense qu'il y a du monde là-bas. Je vais juste prendre quelques réappro. Histoire de pas être trop à sec. Non, non, je veux là. Je veux. Voilà. Tu crois? Ah bah, t'aurais dû aller voir un peu plus tôt. T'ouvres le feu? Mais t'es où? Ah ouais. Oh, dans la tête. Oh, à côté. Oh, dans la tête. C'est vrai que dans la tête, ça marche bien. Oh, merde. Ok, d'accord. Je me cache derrière les Tupperware. Ceci n'est pas un placement de produit, bien sûr. D'accord, bon, on continue notre petit bonhomme de chemin, très bien, on passe notre temps dans les ascenseurs. Je pense que cette vidéo va être longue. En train de fouiller tout le bâtiment là. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver d'intéressant ici? Un sapin de Noël. Je vous l'avais dit que c'était Noël. On peut pas aller par là? Ok, très bien. Nul! C'était de l'autre côté qu'il fallait aller. Oh, oui.
D'accord, mais les mecs, des fois ils veulent se battre ou comment ça se passe? Oh merde, oh merde, oh merde. C'est un sniper là-bas ou... Non, c'est juste un spot. Et bim. Et la tête, et la tête. Alouette. Y'a plus personne. Ah si, y'en a encore un là-bas. Putain, je vois rien, il est où? Ah, il est là. Ok. Voilà. J'ai quand même mis quelques secondes à trouver sa tête. Oh là. Oh, il est violent. Oh, il est violent, celui-là. Ok, d'accord. On se calme, les gars. Ok, toi, par contre, tu vas te prendre une natte dans la tronche. Y'a plus que toi et moi. Ok, d'accord, mon gars. Y'a plus que toi et moi, très bien. Tu veux la jouer comme ça? Je sais pas sur... Honnêtement, je sais pas sur quoi il tire, hein, Voilà, quand on fait le malin. Et il a rien drop, le monsieur. Ça, c'est pas cool, par contre. Ok. On va reprendre quelques munitions. Ah, des fois, vous me voyez marcher. Je fais pas du speedrunning, hein. Mon but, c'est pas d'aller le plus vite possible. Justement de filmer d'une manière agréable, et je trouve que quand on marche, ce jeu est très joli. Voilà. Voilà. Alors, il faut descendre, hein. Ouais. Est-ce qu'on doit encore descendre? Non, c'était en haut. Rien d'intéressant là en bas. Agent, vous êtes à proximité d'un écho. Ah bon? Ouais, et il est où ton écho? Oui. Madame, où est votre écho? Balise d'écho actif. Ah ok, il est là en bas. Très bien. Où ça pue ça? On est dans la salle de gym. Alors je vais recharger mes armes avant parce que je sens bien le truc m'arriver en pleine tronche. Alors il a pas l'air d'aller très bien le monsieur. Il a clairement pas l'air d'aller bien. Alors je te donne une chance de travailler avec moi. Et toi, tu essaies de me dénoncer. Mortel, t'es pas obligé de faire ça. T'es devenu cinglé, faut que tu te fasses soigner. Je dirais pas que c'est très malin de traiter un type armé de cinglé. En tout cas, moi, je me sens tout à fait sain d'esprit. Deux secondes. Je termine et j'arrive. Non, c'est pas possible. La vidéo montre des agents de la division abandonnant leur poste, se tuant les uns les autres. Non, c'est pas... Non, non. Bon, concentrons-nous sur la mission. Il semblerait que le matériel SHD utilisé pour créer cet écho ait été piraté. Je n'arrive pas à identifier l'agent. S'il y a un central de sécurité dans les environs, on aura peut-être une chance d'y arriver. Enfin, si je parviens à accéder aux enregistrements vidéo et qu'ils n'ont pas été effacés. Ok, donc il y a un agent de la division qui tue un autre agent de la division. Mais il se pourrait que le fichier soit piraté. Donc ce serait pas forcément vrai. Téléchargement de données de sécurité archivé. Oh, le blue screen. Ouh, le joli blue screen. Qu'est-ce qu'il nous dit ce blue screen? Oh, j'arrive pas à lire. Du coup, on doit faire quoi là? On doit sortir? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Attention,
Vous allez avoir de la compagnie. Téléchargement terminé. Début du transfert. Me mettre là. Je détecte des agents de la première vague à côté de vous, mais ils ne répondent pas à mes appels. C'est pas normal. Attention, à couvert. Oui. Oui, on va rester ici, hein. Désolé, t'as rien à foutre ici. Transfert terminé. Loul. Ça fait mal, ça, hein. Arrête de bouger. Ah, ça fait mal, hein. Ah merde, on peut pas tirer à travers ça. Ok, d'accord. Bon, les gars, on est un peu dans la merde. Oh putain. Ok, d'accord, il y a vraiment des vilains monsieur qui arrivent et ils sont pas contents. Aïe, 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 non. 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 Ah, je devais pas mourir. Non. Je sais pas ce que je me suis pris dans la tronche, mais ça fait mal. Vous allez avoir de la compagnie. Bon, désolé, on va juste reprendre ce passage. Début du transfert. Je détecte des agents de la première vague à côté de vous, mais ils ne répondent pas à mes appels. C'est pas normal. Oui, madame, je sais. Laisse-les juste rentrer. Voilà. Confirmation. Transfert terminé. Ils ont eu Dylan. Très bien. Oh, il est mignon, lui. Ah, c'est beau. Par contre, le coup de snipe, ça fait vraiment très très mal. Alors. On va essayer de gérer ça un peu mieux que l'autre fois. Alors, je vais juste me mettre un peu plus à couvert. Genre ici par exemple. Ah non, non, non. Aïe. C'est pas ça que je voulais faire, très bien. Ils sont vraiment violents, les mecs, hein. Alors. Eh putain, va falloir se calmer là. Aïe! Mais putain, mais ils sont violents, les mecs! Ah ouais, d'accord, on a un snipe là aussi. Ok, ça c'est déjà bien, j'ai neutralisé le snipe. Alors, qu'est-ce que je pourrais utiliser comme grenade? Lacrymo. Popopom. Grenade. Ah non, grenade incendiaire, je voudrais. Lui, le feu, ça lui fait pas très mal, hein. Ok, c'est bon. Tout ce que vous avez trouvé, c'est pas bon signe. C'est pas évident, hein. Les agents qui en affrontent d'autres, qui abandonnent leur mission, rien de tout ça n'aurait dû arriver. Et vous allez devoir faire encore plus attention maintenant.
Je crois que vous avez attiré l'attention sur vous. Non, tu crois? J'ai attiré l'attention sur moi? Non, j'y crois pas. Ok, très bien. Alors, on va peut-être visualiser la nouvelle preuve qu'on a récoltée. Non, pas là. Alors, quelle est cette nouvelle preuve? J'arrive pas à croire ce qui s'est passé à la fin dans la Dark Zone. Je sais, on les tenait. J'avais raison depuis le début, mais ils nous ont obligés à nous retirer. Et on a laissé nos morts sur place. Ouais, ça non plus, fallait pas le faire. Attendez une seconde. Écoutez, on n'abandonne pas les gens comme ça. Si on est là, c'est justement pour que les habitants de la ville sachent qu'on les a pas abandonnés. Mais les types pour qui on bosse sont prêts à nous lâcher à la première complication. Écoute, je suis pas forcément d'accord avec les décisions qui sont prises, mais... Moi, ce que je dis, c'est que c'est eux qu'il faut abandonner. Leur modèle ne marche plus. Si on joue bien notre coup, on peut disparaître avant qu'il soit trop tard. Avant qu'on en crève tous. Oh, les enculés. Mais c'est de la trahison. C'est du bon sens, putain! Regardez autour de vous, y a plus rien à sauver! La JTF essaie désespérément de sauver un Manhattan qui n'existe plus. Tout ce qui compte maintenant, c'est le pouvoir. Le pouvoir et la survie. Eux, ils sont foutus, mais pas moi. Et vous non plus. Pas si on bosse ensemble. Ok, donc les mecs de la division se rebellent. Ok, GG. Vous allez pas le croire. Ce type est encore plus nihiliste que moi. Monsieur Rhodes, laissons l'agent se faire sa propre idée en regardant la vidéo, d'accord? Ça a de quoi laisser perplexe, je vous l'accorde. Ouais, ça a effectivement de quoi laisser perplexe. Du coup, on se retrouve sur un prochain épisode. Pour un prochain épisode, bientôt. Je vous propose de nous quitter sur ce magnifique monsieur qui a un petit peu du mal ici en fin d'épisode. Ah non, il a disparu. Je suis tristesse. Et du coup, je vais arrêter cette vidéo. Je vous dis bye bye. Et à la prochaine. Ciao.